Aujourd'hui, on va se prendre pour un ouragan. Avec cette magnifique tresse. La tresse tornade. Le tornado. Pas si difficile à réaliser. En vrai, il faut savoir faire des tresses et savoir tricher. On va tricher, oui. Il y a 50% de ta coiffure où c'est de la tresse un peu technique et le deuxième 50% c'est de la tricherie. Est-ce que tu es prêt à apprendre la tornado? On voit ça après le générique. Salut tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui, nouveau cours de tresse, la tresse tourbillon. Spécial cheveux longs ou spécial cheveux extension. On va décorer une queue de cheval. Voilà, la queue de cheval classique, c'est bien joli. C'est pas assez original pour nous. Mais tant qu'à faire, autant la décorer avec une magnifique tresse. Ne t'inquiète pas, c'est que de la triche. Comme tous les dimanches. C'est pas du tout compliqué à faire. Et à comprendre, n'aie pas peur. Va te démêler les cheveux, si t'as pas les cheveux longs, va mettre tes extensions. Et si tu n'as rien de tout ça, bah apprécie la vidéo et regarde. C'est parti, on commence. N'oublie pas de t'abonner, c'est ici, une vidéo tous les dimanches. Je vais te montrer sur ma mèche de levant le schéma de coiffure qu'on va faire aujourd'hui, donc pour décorer ta queue de cheval, pour que tu comprennes et pour que je sois face à toi. Et ensuite, on le fera sur une queue de cheval à l'arrière de la tête. Voilà, alors, imagine que c'est ma queue de cheval, que c'est ta queue de cheval à l'arrière de ta tête. Tu vas venir prendre une mèche à l'arrière de ta queue et attaquer à la tresser en tresse trois brins. Par-dessous, donc tu tresses comme à ton habitude la mèche qui est proche de ton visage. Tu vas venir récupérer un peu de cheveux de ta queue de cheval, la rajouter à ta mèche et tresser. Celle d'en dessous, on rajoute pas. Et on est re sur celle du visage, on rajoute. En dessous, non. Celle du dessus, on rajoute. C'est une sorte de demi-tresse collée, en fait. On va rajouter des cheveux uniquement d'un côté. Tu ne vas pas trop serrer pour qu'en fait ça puisse descendre petit à petit. Tu fais des mouvements amples, sans trop serrer. Hop, tu rajoutes. Tu rajoutes. Alors, là, ça va être le petit moment de la triche. On a fait tout le devant de notre queue. Donc là, on va venir tresser normalement, à peu près la même longueur, voilà. Et on va la mettre derrière. Hop, tu le tiens bien, pas qu'elle se défasse. Tu la passes derrière, voilà, tu la reprends. Et on recommence. Ce qui est dans ta nuque, ça se voit pas, donc tu rajoutes tes cheveux ou non, c'est pareil, c'est de la triche. Et voilà, la tresse tourbillonne. La tresse tornade, la tresse tourbillon, comme tu veux. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Je vais défaire là et on va faire la vraie tresse à l'arrière de notre tête. Décorée et que tu sois le plus beau, la plus belle avec ta tresse tornade. Je me tourne et je fais une queue de cheval. Queue de cheval, ok. Je vais venir cacher mon élastique pour que ce soit plus joli. Crochet, tu prends une de tes mèches et tu viens enrouler ton élastique pour pas qu'on le voie. Tu plantes ton crochet dans ta queue de cheval. Hop, tu tires sur ton crochet et voilà. Donc magnifique queue de cheval, mais un petit peu trop classico, hein? On va l'améliorer. Ok les copains, si tu n'as pas l'habitude de te faire des coiffures bras en arrière, je pense que tu devrais aller t'échauffer. Parce que tu vas avoir mal au bras, c'est obligatoire. Mais au moins ça va te raffermir les bras et tu auras des cheveux de fou. Pilate hair aujourd'hui. Je te retrouve de dos avec ta magnifique queue de cheval. Et maintenant, on va faire comme je t'ai montré sur le devant. On va tresser en rajoutant des mèches que d'un côté à chaque fois, en étant ample sur nos mouvements pour que ça puisse créer la spirale, la tornade, l'ouragan de cheveux, ce que tu veux. Allez, on est parti. Tu récupères une mèche en dessous. Tu as tes trois brins, celui du bas, celui du centre et celui du haut.
On va rajouter des cheveux à chaque fois qu'il y aura une mèche, une nouvelle mèche en haut. Donc je rajoute des cheveux à ma mèche du haut et je la ramène au centre, par-dessous. Celle du bas, je la ramène uniquement au centre. Celle du haut, je rajoute des cheveux au centre. Celle du bas, au centre. Celle du haut, on rajoute. Mais on va au centre. Celle du bas, on ramène qu'au centre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, normalement, là t'es censé avoir mal au bras et avoir très chaud. Là j'ai hyper mal ici. Hein, c'est du sport de se coiffer. Mais faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu veux des beaux cheveux, t'auras des bras musclés. Voilà. Alors, je suis au bout de ma tresse. J'ai fait le dessus de ma queue. Je vais continuer ma tresse classique et essayer de faire à peu près la même longueur que ici. Je sais pas trop, tu fais ça au feeling. Et là, tu la passes en dessous, tu récupères ta tresse et on recommence. C'était le petit moment de la triche. Hop, fais des pauses. Tire-toi les bras. Et on reprend. D'en haut, je rajoute une mèche. Celle d'en bas, elle passe uniquement en dessous. Celle d'en haut, je rajoute une mèche. Celle d'en bas, elle passe uniquement en dessous. Celle d'en haut, je rajoute une mèche. Fais attention à ne pas trop serrer. Pour pas que ta tresse elle remonte. Et tu continues, et tu continues. J'ai fait une première, une seconde. Je vais continuer à tresser. Je fais une classique aux tresses. Jusqu'au bout. Ok. Tu finis ta tresse, tu mets un petit élastique. On va essayer de prendre notre tresse et de continuer à tourner. Et venir la rattacher ici. Tu essaies de continuer ton tourbillon. Tu rattaches tout. Voilà. Et une fois que tu as tout attaché, attends, je vais venir mettre une petite pince pour attacher tous mes petits cheveux du dessous là qui m'embêtent, qui en plus de ça sont pas jojo. Et là, je vais venir récupérer une mèche et venir cacher mon élastique. Je remets un élastique, hop, bien serré dessous. Je fais descendre un petit peu mes cheveux, voilà. Hop, et après tu ajustes un peu. Moi, je vais venir tirer un peu dessus pour créer un peu de mouvement. Et voilà, qu'est-ce que t'en dis? La queue de cheval tornade, c'est plutôt sympa, non? Si tu tires un peu dessus, avec délicatesse, toujours, on est pas mal. Et ben voilà, la tresse tornade. Maintenant, tu sais faire une tresse tornade. Tu vas pouvoir déferler comme un ouragan auprès de tes proches. Avec cette magnifique coiffure. Donc, faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche! Oublie pas de t'abonner. C'est ici. Une vidéo tous les dimanches à 18h.